Ce serait dommage, hein. Ce serait dommage de pas avoir de vidéo YouTube quand même du All-Star Weekend du King Puffus la Bravus. Hein? N'est-ce pas, messieurs-dames? Les gars, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine, que tout va bien pour vous. Les gars, nous sommes évidemment avec le seul et l'unique, le King Puff. Comme il est beau. C'est l'All-Star Weekend. Concours de dunk, concours à 3 points, Rising Star, All-Star Game. Il s'est fait beau, les gars. Regarde, eh, franchement, la coupe de cheveux, elle est beau gosse. Elle est beau gosse. Même si ceux qui me suivent sur Twitch diront que, bon, en fait, c'est que c'est la coupe aussi du KD qu'on a créé sur Twitch, quoi. Voilà, la carrière exclusive sur Twitch. Ah, faut venir me suivre sur Twitch pour ça, voilà. Du coup, les gars, All-Star Weekend. Là, on va se retrouver déjà pour commencer pour le Rising Star Challenge. Le Rising Star Challenge, les gars, c'est un peu l'apéritif. C'est pour commencer. Là, les gars, je vous le dis, ok? C'est le All-Star Weekend. Un seul et unique objectif, faire du sale. Les fumer, je vais les éclatax, un max. Là, le Rising Star, déjà, on va froisser du rookie, je te le dis. Là, ils savent pas. Ils savent pas. Mais ils vont savoir maintenant. Let's go, baby. Ok, les gars, on arrive All-Star Weekend à Cleveland. On va donner un petit peu de chaleur à cette ville froide. On a avec nous pas mal de monde. Je serais pas vous dire, il y en a plein, je sais même pas c'est qui. Ah oui, j'ai la barre, faut que j'enlève. Ok, il y a Achiwa à côté de moi. J'ai reconnu que Achiwa. Ok, je fais partie de la Team World par contre. Ok, il y a Théo, mais je fais partie de la Team World. En vrai, on a du flow, on va les fumer là. Ok, on a Edward face à nous, Wiseman. Aïe aïe aïe, la mélo. Eh, ils ont une équipe sale, hein. On va devoir compter sur nous, hein. De notre côté, je connais que un ou deux joueurs. Allez, let's go, guys. Par contre, les chaussures touquées, ça pique un peu, hein. Je pense que c'est parce que c'est un match spécial. Là, je fais du sale, hein. Je m'en bats les couilles, les gars, hein, je vous le dis, hein. Ça va être chaud, en vrai, hein. On a, à part Achiwa, les gars, je sais pas. Vraiment, je connais pas grand monde, les gars, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, ouais. That's your problem. Je vous ai dit, c'est le Rising Star Challenge, il faut que je m'échauffe. Ensuite, il y a concours de dunk, concours à 3 points, All-Star Game. Il faut qu'on soit chaud, j'espère juste honnêtement, les gars, sur ce All-Star Weekend. Le Rising Star, ça n'a jamais été celui qui m'intéresse le plus, hein. Je le dis tout le temps, tous les ans, enfin, tous les ans, genre dans les jeux, tu vois. Je le dis tout le temps, ça n'a jamais été celui qui m'a le plus chauffé. Dans la vraie vie, je ne les regarde pas, ça ne m'intéresse pas spécialement. C'est un moment, moi, dans le jeu et tout, tu vois, de me chauffer un peu, de me mettre un petit peu dedans, tu vois. Ok, on a l'écran, tu m'as vu. On le prend. Nice shot. Nope. Dommage. Putain, je commence un match à la New York, quoi. Vraiment. Je commence un match à la Knicks. Tous les matchs qu'on voit en carrière avec les Knicks, je les commence comme ça. C'est lourd. Hein. Je sais pas pourquoi en début de match j'ai du mal. Je vous jure, je vais me taire et je vais essayer de faire du sale. Donc posez-vous, kiffez. D'accord. Moi, je vais essayer de m'occuper du reste. Parce qu'à chaque fois que je vous dis ça, mais là, faut que j'assume. J'y vais, c'est bon, je suis passé. Let's go. Bien wesh ça. Allez. Là, les gars, un peu plus et je faisais un feat avec Freeze Corleone. Parce que je suis freeze, genre je suis froid et freeze Corleone. On est passé encore. Let's go! Let's go, baby! Let's go! C'est pas une anime de poster, c'est pas un poster. Peggy 18. C'est pas vraiment, je sais pas. Frère, j'ai même pas fait exprès! Et le poster derrière ce Wiseman? Je l'ai défoncé, frère, mais non. On se remet bien, les gars. Allez, 6-6, on met les 6 points de l'équipe. J'ai dit, je mettrai 40 points. J'ai dit, je mettrai 40 points, les gars. Ok, one year. Il me la redonne direct, hein, vraiment. J'y vais. Let's go. Dommage. À chaque fois que je veux faire un truc un peu technique, ça marche pas, hein. À chaque fois que je veux faire un truc un peu technique, ça marche pas, hein. Mais let's go, mais putain. Je suis partout, frère. Non, le coach, il me sort déjà. Il me rend début de deuxième quart-temps. Je sais pas si on est mené ou on mène. Team USA, il mène de 11 points. Tête de ma mère, je veux finir MVP de ce Rising Star. Tête de WAM, il faut qu'on gagne. Les gars, s'il vous plaît, j'arrive. Donne ça, Greedy. Je l'ai, je prends. Nice, let's go. Let's go, guys. Les gars, là, je vais être une machine. Hein. Vraiment, les gars. Vraiment, les messages ou les commentaires en mode eh, gna gna gna, paf, il croque, blablabla. Frère, c'est le Rising Star. C'est le All-Star Weekend, je suis là pour briller. Autant avec les Knicks, en carrière, nanana, je veux faire 1 milliard de passes. Enfin, en plus, les systèmes sont bien foutus en carrière et tout, tu vois, genre. Et le jeu veut que tu fasses des systèmes, sinon tu n'arrives pas à marquer. Vous avez vu comme je galère avec les Knicks, hein. Mais là, on est au Rising Star, j'en ai rien à branler. Tête de ma mère. Tu peux dire ce que tu veux, je suis là pour briller. Ok. Faut que j'arrive à revenir, ça va être chaud. Hein. Merde, pour ça, faut que je défende, en fait. Je remettais mon dossier aussi, je suis désolé. J'essaie de me mettre droit.
On est passé, j'y vais. Vraiment, il est bizarre ce match pour l'instant. Oh ben. Hey, one! Autant je brise des chevilles et tout, il y a de l'anime, mais autant, hein? Hein, les gars, hein? Allez, défense, s'il te plaît, mon frère. Allez, les gars, vous êtes là pour ça, défendre, hein. Je m'occupe de l'attaque. Et vraiment, vous vous occupez de la défense. Allez, en vrai, une petite passe D, histoire 2, ce serait bien. Tu vois, faut pas que je fasse deux passes. À chaque fois que je fais une passe. Let's go. La Drexler. Let's go, la Drexler. Par contre, on est d'accord, je saute hyper haut, frère. Frère, j'ai un jump. Wesh. A few moments later. On est passé encore. Let's go, guys. Allez. Let's go, guys. Il peut rien faire, Liberton. C'est pas un gros défenseur. Je vais le fumer, putain de merde. Je suis concentré, gros, pour un match de Rising Star. Je vous jure. Monnaie. Je suis partout, mais mes coéquipiers sont nulle part, en fait. C'est honteux. Oh, la petite passe D. Oh, la petite passe D. On peut pas dire que je suis un croqueur. C'est bon, on pourra pas dire paf, il a croqué tout le All-Star Weekend, blablabla, nanani, nanana. Prise à deux, non, ça passe pas. Ouais, ils ont même Cunningham sur le banc, gros. Ils ont Jason Tate, Haliburton, mes frères. C'est une blague, gros, l'équipe qu'ils ont. Mec, leur équipe, elle est abusée. Là, je suis avec Théo Malédon, il a 68 de gêne dans le jeu. Avidja, frérot, putain. Bonne dé. Le rebond, merci. Les gars, votre job, prendre les rebonds, défendre. Je m'occupe de tout le reste. Tiens, mon pote, tu me finis ça. Voilà, allez, on a le takeover. Je vais l'utiliser parce qu'il reste 17 secondes, en fait. Et le coach va me sortir. On est revenu à 5 points, les gars. En vrai, le coach, en fait, il doit pas me sortir du match. Faut pas qu'il me sorte du match. S'il me sort dans le match, on est foutu. Bonne nez, Théo. Let's go! Let's go, les gars, allez! 24 points, 2 passes à rebond. J'ai fait un début de match dégueulasse. Mais je fais une fin de première mi-temps pas mal. Maintenant, j'espère que le coach va me laisser jouer un max. Parce que sinon, on va galérer. Parce que je mets tous les points de l'équipe, clairement. Ça va être compliqué, ce match, vraiment. Allez, défense. No, Mobley, il va le fumer, frère. Il est trop fort, bah oui. Mobley, il est beaucoup trop fort. Iso, les gars, j'ai mon take. Ma réaction est pas dingue parce que je m'y attendais. J'ai mon takeover, c'était sûr. Le coach me sort, j'ai peur quand il va me re-rentrer. 52-65. Vis ma vie de jouer dans des équipes de merde, je veux dire. Non mais. Ils savent même pas faire une balle de remise en touche. Je joue avec la pire équipe. Donne-moi ça. Voilà. Putain! Il s'est pas récupéré! Mais il a même! Putain! Ça m'énerve, vraiment, ça me saoule, les gars. Ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls avec moi. Putain, j'en ai marre. Ok, c'est le Rising Star, on s'en fout, mais... Vraiment, pourquoi j'ai toujours des équipes claquées au sol avec moi? Pourquoi j'ai toujours des coéquipés claqués au sol avec moi? Ça m'a fait du bien, la manette, elle a rien demandé, mais ça m'a fait beaucoup de bien, les gars. Elle va pas très bien. Ok, je suis passé. Mais non, j'ai pas fait exprès. Bien joué, N1. Bien joué. En fait, si, j'ai fait exprès, les gars, pour qu'ils prennent le rebond, qu'ils remontent, il y a N1. Comme ça, il met son lancer, et au lieu de remonter 2 points, on remonte 2-3. Tu vois, là, il va le mettre. Mais on prend le rebond. Mais... Cette séquence, elle est monumentale. Match totalement déséquilibré. On va perdre de 30 points. Je mets les moitiés, je mets les 3 quarts des points de l'équipe. Lourd. Lourd sur Rising Star. Hein? Attendez, les gars, je vous ai pas montré. Regardez la manette, ça la change. Après, je vous dis, hein, c'est une manette qui ne marchait plus. Hein. J'ai pas pété une manette gratuitement. Hein. C'est une de mes manettes déjà qui ne marchait déjà plus. Hein.
Donc, mais que j'ai gardé pour ce genre de moment. Tu vois.